Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres et les dogs. Bienvenue dans l'épisode 11 de Rescue. Et aujourd'hui, eh bien, c'est sa deuxième nuit et son deuxième repas. Est-ce qu'il a encore détruit? Comment ça s'est passé? Et quels sont les exercices que j'ai pu lui apprendre dès son deuxième repas? Bon visionnage et éclatez-vous avec Rescue. Hey, bonjour à tous, et justement c'est le cas, bonjour, on vient de se réveiller, c'est le jour 2 avec Rescue, c'est donc sa deuxième nuit, il a été encore une fois dans le jardin, et je suis vraiment ravi parce qu'il n'y a aucune destruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer dans un instant, c'est parti. Hello petit bout, alors on est content. Et vous pouvez voir qu'il y a Rescue. Oui, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune destruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous prenez soin de la psychologie de votre chien, la psychologie du bonheur, eh bien votre chien sera heureux, épanoui et bien dans sa tête. Donc il n'aura pas besoin de détruire. Et top ça, excellent. Alors, t'as passé une bonne nuit? Donc, vraiment, ça c'est top. Hier, il avait ravagé le jardin. Vous pouvez voir ces images de destruction totale de tout dans le jardin. Les gamelles, les plantes, un bac à croquettes. Alors, il n'y avait pas de croquettes. Très bien ça. Donc, je suis vraiment ravi. Ça veut dire qu'il va mieux dans sa tête. On prend bien soin de lui. On a fait des super balades hier. Plein de sessions d'éducation. Donc, des dépenses physiques, mentales. Besoin numéro 6. Et également, eh bien, vie sociale, besoin numéro 7, donc c'est top. Aujourd'hui, une belle journée nous attend. On va le socialiser beaucoup plus à l'humain, à la société. On va aller sur la plus grande place de Montpellier en balade pour lui faire découvrir la vie, le monde. Et ouais, mon pote, et c'est vraiment excellent. Hier également, c'était le jour de sa renommée. Je ne sais pas si ça se dit, mais de changement de nom. Nouveau nom, nouvelle vie. Donc, Rescue, c'est son nouveau nom et il a déjà assimilé en moins de 24 heures. Il a également fait hier son premier live éducatif avec l'Educ Dog Academy et les membres de l'Educ Dog Academy. On était une soixantaine hier en live, en direct pour éduquer nos chiens et ça a été vraiment top. Il a pu servir d'exemple et apprendre plein de choses et montrer l'exemple aussi. Je suis vraiment ravi, donc c'est vraiment super. C'est parti, jour 2, également deuxième repas. Seule chose, je vais augmenter la quantité puisque il est un peu maigrichon. Donc je vais lui mettre double ration pendant quelques jours. Je suis toujours en transition alimentaire, donc 75% des anciennes croquettes, 25% des nouvelles. Et comme chaque repas, eh bien, on ne donne jamais un repas gratuitement, vous le savez. C'est toujours de l'éducation avant le repas. Donc je vais aller remplir sa gamelle et on va faire les petits exercices du matin. C'est parti. Donc vous le savez la règle, alors je mélange juste un peu entre les anciennes et les nouvelles. Voilà, regardez-le, il est tout content. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Donc eh bien, on va bosser quelques autres exercices. Hier c'était essentiellement son nouveau nom. Comme d'hab, la règle c'est vous prenez une poignée et vous posez loin, non pas ici, sinon on va la voir. Vous posez plus loin sa gamelle et on va bosser les exercices. Allez bien. Oui, assis, excellent. Je vais faire un peu de rappel, un peu de assis. Je vois un petit peu si c'est tourné. Allez, tourne. Voilà, on va lui apprendre à tourner ce matin. Hop. Eh oui. Ouais, excellent. Très bien. Un peu de prédation qui me suit. Tourne. Ouais, du boost. Très bien, ça Rescue. Superbe. Hop, tourne. Excellent. Alors, les chiens sont gauchers ou droitiers, hein? Donc forcément un côté qui privilégie le tourne. Ouais, excellent. Couché. Excellent. Un peu, j'avance un peu la main. Ouais, c'est très bien. C'est son premier couché. Hein. Excellent.
C'est top ça, mon loulou. Bon, vous voyez, chaque repas, hein, il faut que ce soit un moment fun. Donc vous révisez les fondamentaux du assis, du coucher, du stop par exemple. Vous les apprendrez progressivement. Top. Donc vous voyez que chaque repas doit être l'opportunité, le moment, bah, d'apprendre des exercices à son toutou, hein, et de faire réviser les bases. On attend. Allez, mange. Oui. Bien. Voilà, je fais exprès d'avoir les mains dans la gamelle au moment où il s'approche. Hein. Rapprochez-vous. Voilà, venez voir. Venez voir internet. Et que j'ai les mains dans la gamelle, même exercice qu'hier, je suis là pour donner, d'accord? Donc je fais exprès d'en avoir dans les mains. Tiens. Mais c'est les mêmes. Non, je ne vais pas celle dans ta main. Voilà, je caresse en plus. Et touché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour le prochain repas. Dans le prochain épisode, vous découvrirez Rescue dans l'opération socialisation. L'objectif est de continuer à lui faire découvrir la ville et la vie. Il est important de socialiser un chien à tout type de stimuli, et notamment les êtres humains, les vélos, les piétons, les bruits, tout ce qu'on peut croiser en ville. Vous allez découvrir en même temps que moi ses réactions, et lui aussi va découvrir la vie et la ville. Soyez sûr de ne pas louper le prochain épisode de Rescue en plein centre-ville de Montpellier, et ne l'oubliez pas, EducDog, l'éduquer c'est... l'aimer. Salut YouTube, n'essaye surtout pas d'éduquer ton chien toi-même si tu n'as pas les méthodes, les conseils, surtout étape par étape comment faire. C'est exactement ce que je vais te montrer. Avec Rescue, on a filmé l'intégralité de sa transformation et on met module après module et vidéo après vidéo. Disponible dans la EducDog Academy, mon nouveau programme par abonnement. Si toi aussi tu veux avoir accès aux mêmes résultats que j'ai avec Rescue, c'est très simple, il te suffit de cliquer dès maintenant sur le bouton qui vient d'apparaître ou de cliquer sous la vidéo pour avoir les mêmes résultats avec ton chien et la méthode EducDog.